Prématurément humilié, Quentin Tarantino livre ses regrets et s'excuse. L'actrice avait eu un accident sur le tournage de Kill Bill 2 et évoquait le comportement sadique de son ami réalisateur. Dans une interview publiée ce week-end dans le New York Times, Uma Thurman brisait enfin le silence sur le comportement d'Harvey Weinstein envers elle. Son récit avait provoqué de vives réactions, non pas vis-à-vis de l'agression sexuelle dont elle a été victime, mais parce que son histoire incluait largement Quentin Tarantino, qu'il avait dirigé sur Pulp Fiction et les deux Kill Bill. L'actrice avait raconté que sur le tournage du deuxième volet de Kill Bill, son metteur en scène l'avait malmenée, voire humiliée, au travers de son personnage de Béatrix. À la limite du sadisme, peut-on lire dans le reportage de Morin BOWD. La comédienne a raconté que Tarantino l'avait forcée à conduire elle-même la voiture bleue dans une célèbre scène où elle retrouve Bill, alors que le véhicule était en mauvais état. Une naturellement s'était exécutée, elle avait fait la cascade, laquelle s'était soldée par un accident qui aurait pu la tuer là. Interrogé par Deadline sur cet épisode, Quentin Tarantino a fait son mea culpa, évoquant plus que le plus grand regret de sa carrière, l'un des plus grands regrets de sa vie. Je suis coupable. Coupable de l'avoir mise dans cette voiture, mais pas de la façon dont les gens le décrivent, a justifié Tarantino, regrettant de ne pas avoir été contacté par l'auteur de l'article. Il a assuré qu'il n'avait jamais eu un comportement violent. Il a également certifié avoir fait le nécessaire pour donner à Uma Thurman les images de ce fameux crash. Des images qu'Harvey Weinstein avait bloquées pour éviter que l'actrice ne porte plainte. Je ne peux imaginer ce qu'Harvey avait en tête en lui interdisant l'accès à l'extrait, a estimé Tarantino. Mais j'ignorais qu'elle croyait que j'étais impliqué dans cette tentative de dissimulation. Elle m'avait juste dit qu'elle n'y avait pas eu accès. Idem pour la scène dans laquelle il crache lui-même à la figure de son actrice, arguant que l'acteur qui devait s'exécuter aurait sûrement été trop impressionné ou stressé, et aurait donc dû refaire la scène plusieurs fois. Quant aux agressions d'Harvey Weinstein, je m'en suis occupé. Ce que j'ai fait de bien est dans l'article du New York Times, mais a été minimisé. Je me suis rendu compte que les attaques d'Harvey se répétaient et je lui ai demandé de s'excuser auprès d'Uma, prétend Tarantino qui précise qu'il n'est pas en froid aujourd'hui avec son ex-muse.